Salut tout le monde, on se retrouve pour cette sixième partie du Let's Play de Kingdom Hearts Dream of Distance. Et on s'apprêtait à faire le monde de Tron avec Riku, enfin la grille, de Druid en anglais. Vu qu'on l'a déjà fait avec Sora, bah maintenant on va la faire avec Riku. Vous allez voir que c'est un peu différent le parcours qu'on va faire et peut-être aussi les combats qu'on va faire, tout ça, vous verrez bien. Hein. Enfin bref, on va commencer tout de suite si vous voulez bien. Hein. Avec, comme d'habitude, le mode transition. Cette fois, je crois que ce sera pas un boss, mais... C'est pas grave. Ce sera peut-être des récompenses. Plus de chances qu'il y ait des récompenses qu'autre chose, je pense, voilà. Un point récompense avant le chrono, c'est quoi? Je sais déjà plus ce que c'est. Ah, c'est peut-être ces trucs, là. Attendez. Bon, ça c'est des obstacles, d'accord. Il doit y en avoir bien caché, je sais pas où. Pour l'instant, avec des points de vie, puis ça qui nous barre la route. Je vais choper le rond. On attend pas de récompense, je le vois pas vraiment. Hein. Ah, pas vu. Alors qu'est-ce que c'est ça? Un an pour éviter. Oh, je vais pas assez vite, il reste 25 secondes. Et si je vais trop vite, je prends dans tous les murs, ça va pas aller. Ah là-bas. C'est tout bon, à nouveau. A mon avis, je suis peut-être en A ou en C, parce que je me suis chopé tout... En B ou en C, oui en C, mais je me suis chopé tous les murs quasi. Bon bah c'est pas grave, de toute façon c'est juste une phase de transition, ça agit pas vraiment. Donc là on va se quitter, enfin on va pas se quitter, on va... Vous allez juste voir la cinématique qui va suivre et on se retrouve juste après. My clothes. Is this world special? The Dream Eater! No. Let's see how this plays out. Another stray. Are you a prisoner? Yeah, it looks that way. Name's Sam. I'm Riku. Where are we, Sam? We're on the grid. You're in luck. Mm-hmm. Only a precious few are granted light cycle battle privileges. You're gonna explain why it's so lucky? I'll show you. How hard can it be? Ça va être une phase assez sympa. C'est un peu comme Kingdom Hearts 2 avec les véhicules de Tron, sauf que là c'est beaucoup mieux que dans Kingdom Hearts 2. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Cycle lumineux. Utilise les traînées lumineuses et les armes pour vaincre tes ennemis. Arme contre les ennemis devant toi.
traînée lumineuse contre les ennemis derrière toi. Ok, je vais essayer ça. Appuie sur Y pour passer de la traînée lumineuse aux armes. Donc ouais, c'est pas très bien compliqué. Hein. Y a pas vraiment de mur comme dans Kingdom Hearts 2 où c'est un peu chaud comme ça. Mais... Là, ça va. Ouais, bah alors là, je suis en train de changer, mais en fait, pour... J'ai du terrain. C'est derrière moi. Grande plus. Bon, c'est bon. Encore un autre. Et celui-ci aussi. Sympa comme ça, je trouve. Heureusement qu'on l'a sur Riku, parce que si on l'avait pas eu du tout... Il y a aussi la commande sauter. Allez. Là, c'est un soldat volant, là. Enfin, un soldat... On va devoir les détruire eux parce qu'ils sont plus dangereux. Enfin plus dangereux, ça va. Ah oui, descend considérablement, je fasse gaffe. Je sais pas si on peut récupérer après, je sais plus. Bon bah apparemment je se retrouve face à un boss là. Sympa aussi. Ah, s'il m'a quand même chopé. Allez. J'aurais pu sauter mais bon. Allez. Il n'est pas très dur hein. C'est juste qu'il faut bien faire attention. Allez, plus de bord environ presque. Deux bords là. Pas moi. Enfin non. Pas deux bords. Un peu moins de trois bars, je veux dire. Presque deux bars. Il va lui rester des barres environ. Hein. Au moins des barres maintenant. Il faudrait qu'il revienne derrière moi, mais. Aïe aïe aïe. Allez, presque, on a pas fini là. C'est bon de nous crever maintenant quand même. C'est bon, on l'a battu. Pas si dur que ça. HP max augmenté, cool.
I think I've had enough entertainment for one day. Riku! You made it. You escaped from the games. Yeah. I know a way off the grid. Wanna come with? No. You go ahead. Wait, what's the way out? Through the portal. Portal? Yeah. It's like a gate that opened when I came here. Once I'm back in the real world, I can delete Clue. And then... then my dad will be able to come home. Your dad? He vanished. 20 years ago when he came here to the grid. But because he needed to protect his disc from Clue, he went into hiding. He's been trapped there ever since. But I'm gonna change that. I see. Sam, you mind if I go with you after all? To the portal? Sure. I'll take what help I can get. But first, there's somebody I need to meet. He's in the city. Donc là, on a accès à un flashback sur père et fils, donc avec Sam et son père, qui s'appelle Flint, je crois. Flint, un truc comme ça, on verra bien. I tried to get back, but I couldn't get to the portal. It uses massive power, and it can't stay open forever. And like a safe, it can only be opened from the outside. It closed on me, Sam. That's why I never came home. So the portal, it activated when I came in. So it's open now. Not for long, only one millicycle. About 8 hours. So we go now. Go home. We make a run for it. We get you Sam, out of here. Don't rush. What do you mean, don't rush? The portal's gonna close. My disc is everything, Sam. It's the master key. The golden ticket. The way out. And not just for me. What do you mean? Our worlds are more connected than anyone knows. Clue figures if I can be him... he can be out? With my disc, it's possible. And then what? Game over. The guy doesn't dig in perfection. What's more imperfect than our world? I can't let that happen. I won't. So what do we do? Nothing? It's amazing how productive doing nothing can be. Clue is planning something. We've known that for a while. It's his game now. The only way to win is not to play. Yeah, well, that's a hell of a way to live. But it is a way. Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes. That's great, Dad. Keep telling yourself that. Good night, Sam. On se retrouve après cette cinématique, toujours dans la grille, hein, après avoir échappé au jeu de Clou, c'est L.U. là. Donc on va se sauvegarder, là on est au niveau 9 avec Riku, je vous avais dit dans l'épisode précédent. On va augmenter un petit peu ça jusqu'à la fin du niveau. Hein. Alors, sinon j'ai changé de jeu metteur, j'en ai pris un nouveau là. J'ai pas tout changé mais juste un en fait. Que j'aime bien combattre avec la grenouille, c'est marrant. Il est pratique aussi. Pratique l'altération du réel quand même, hein, quand on a plus de ce monde d'alibi. Allez.
Enfin, pas l'altération du réel, je veux dire, la fluidité. L'altération du réel, je l'ai pas encore prêté. C'est la même qu'avec Sora, en gros. Donc, je pense pas que je vais vous montrer. Voilà. Alors, niveau 3 pour l'œil du metteur. Nous, c'est pas là qu'on doit aller déjà. Même s'il y a encore un ennemi, mais c'est pas grave. Ce que je sais, c'est qu'il y a un coffre ici et puis il y en a un de l'autre côté aussi en fait. Alors, il y en a un de l'autre côté, d'accord. Ici. Peut-être un deuxième, je sais pas. Mais mon but, c'est pas de finir à 100% pour les coffres de toute façon. Hein. Sauvegarde a disparu parce qu'apparemment il y a peut-être encore des ennemis vu que le mon jeu de commande est jaune. Bon bah c'est pas grave, on va y aller direct. Ok, donc là on doit aller à la ville. Donc on était avec Sora presque en tout premier. Rappelez-vous, c'est la première fois que je vous avais dit où il y avait les escargots bizarres. Là. Donc, petite altération du réel. Enfin, escargot bizarre. Qu'est-ce que je voulais dire plutôt ouais, ceux qui courent avec une sueur. Donc là, transport. Donc c'est pour désactiver la machine pour qu'on puisse, puisse nous transporter. Ça nous transporte plus loin dans la map en fait. Je sais pas exactement où, mais on est plus loin dans la map. Près d'un portail en fait. Ah, peut-être qu'on va le faire le portail alors. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Remporte la victoire en 20 secondes maximum. Là je crois que je vais peut-être pas réussir hein, les trucs comme ça. Encore un escargot. On va quand même essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Il reste 2 secondes, c'est chaud. En plus, ils rentrent dans leur carapace. Attention du rêve, non? Ah, mais mince, ça compte quand même le temps, bien, non? Oui. Non, peut-être pas ça. Alors, ouais. Non, alors là, ça va pas le faire. Non. Ça l'a pas fait. Bon, bah, c'est pas grave. Oh les portails 20 secondes, faut pas essayer à mon niveau parce que c'est pas super. Je suis pas un super jeu de commande encore. JDC pour faire une petite abréviation. Ouais bon on a fini le portail mais on n'a pas gagné la récompense bonus, on a juste la récompense normale en fait. C'est pas grave. Je le referai peut-être une fois. On verra bien. Donc terminé. On a gagné juste une chimère de trouble. Enfin, chimère de trouble, ouais. Puis une création flegmatique apparemment. Donc ouais. Je crois qu'il y a un coffre ici, ouais, en effet. Donc nous, on va se diriger vers bah, la ville. Vous reconnaissez un peu ici, c'est où on a échappé les soldats de Clou. Les vilains pas beaux, là, comme j'ai dit. Il a pas beau, ils se ressemblent tous en même temps. En plus des casques machin. C'est marrant parce que j'ai vu sur un forum que quelqu'un disait que dans un ancien trailer, il avait vu Vanitas dans le dans ce monde. Mais je pense qu'il a dû peut-être confondre avec Tron, Rinsler, un truc comme ça. Parce que Vanitas ça n'a rien. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu parce qu'il est aussi masqué et puis ouais ça ressemble un petit peu mais c'est pas vraiment ça quoi. C'est vrai que les premiers trailers ont un peu rien à voir maintenant comparé au jeu final. En même temps c'est un petit peu logique mais bon. Il manque encore un petit ennemi là. Enfin un petit ennemi. Pas si petit que ça quand même.
Alors... Moi, je pense que c'est par ici qu'on doit aller, ouais. La ville doit être par ici. En effet. Je me souviens que si on monte par ici, il y aura un coffre vers la gauche. En effet. Avec un réveil. C'est ça que je cherchais justement, réveil. Je vais te voir un truc alors, je sais pas si c'est un objet les réveils en fait. Je sais plus. Normalement non, parce que j'ai vu que c'était une attaque. Donc on va voir dans les attaques. Jeu de commande. Modifier JDC. Alors juste voir, peut-être à la place du taille violente. Alors là on a quoi? Sommeil. Réveil. Remonte légèrement le niveau de la jauge de passage et réinitialise le temps entre deux passages. Bon, pour l'instant je vais pas le mettre, mais quand j'aurai la... Comment dire? La jauge un peu pleine, je vais mettre. Maintenant c'est bon à savoir qu'en fait c'est un objet, j'étais pas sûr. Pour ça c'était un truc quoi... Enfin un objet... De toute façon, j'ai été voir les objets dans les autres parties, mais là, c'est un objet comme les potions, tout ça. Au moins, je suis fixé, quoi. Et je suis fixé que j'en ai 5 aussi. Parce que je pensais que j'en avais 0 au début, en fait. Au moins, je suis informé sur ça. Allez, petit soin, parce que sinon, je vais crever. Finalement, je vais vraiment crever. Donc je vais m'isoler un petit peu. Ils sont pas foutus de me soigner, mais du médecin. Bon, faut dire qu'ils ont pas les compétences soins, mais... C'est pas grave. J'attends juste le soin en plus, là, parce que sinon je vais galérer hein, avec cette barre de vie, là. Allez, parti, voilà. Je vais remonter leur péter la gueule. Il est où? Il est là. Voilà. Bientôt au niveau suivant. Hein. Donc il y a un coffre aussi ici. Création mouvement. Personne, pas grave. Moi je sais qu'il y a un coffre en haut, on avait vu avec Sora. Enfin, il y a une cinématique. Kill some time till I get back. Glad I get to fight more than boredom. C'est sûr qu'avec les humateurs, on a de quoi s'occuper, hein. On ne s'ennuie jamais. Mine les avale rêve. Bon, moi je les appelle les Metteurs comme je l'ai dit parce que c'est peut-être mieux. Hein. Allez, niveau 10 avec Riku, ça commence bien. Tac, peut-être une petite fusion avec ma grenouille. Histoire d'éliminer peut-être un peu plus vite. Ah, je crois que vous avez pas vraiment montré les fusions de Riku. Allez, petite fluidité. Wow. Faut que je fasse gaffe. Déflagration, ça c'est bien. Alors faut juste que je voie pour un 100 plus, voilà. Ah, peut-être une altération du réel, faut voir, voilà. Altération du réel, alors qu'est-ce que je vais faire? Ouais, moving, je pars. C'est pratique, ça. Ça, on peut guider... Bah, le... Du metteur, en fait. C'est des nightmares, les méchants. Je crois que je l'ai pas encore dit, ça. Enfin, bon, en français, cauchemar, hein, pour ceux qui savent un peu. Je
préfère les appeler les nightmares aussi. Mais bon, en général, c'est quand même des Dreamators. Hein. Sauf que les gentils, c'est des esprits. Et bah, les méchants, c'est des cauchemars. Et... juste me soigner, là. Oh, le salopard. Oh, le salopard. Alors, comptez sur moi pour monter sur une plateforme en hauteur, hein, parce que là... peut-être mourir. J'ai pas envie de mourir, justement. Allez, juste en hauteur. Pour me soigner, vite fait. Enfin. Allez. J'ai pas envie de prendre le risque d'avoir une barre de vie si basse. Si peu de HP dans ma barre de vie, justement. Justement, là, ces escargots là qui avancent en sueur parce qu'ils ont pas leur carapace. Mais je te laisserai pas la récupérer. Hein. T'es toujours rêvé. Allez, ça m'a rien, t'es où toi? Lui il a encore la vie, il vient d'arriver alors. Petit paye, je lance. Il est où lui? En fait, il y en a pas mal. Allez, niveau 6 pour Antonio. Espèce d'hippocampe là. Il y aura combien de moteurs? Ah, il y en a encore un ici déjà. Peut-être le dernier, je sais pas. En effet. Écoute, j'ai le JDC qui a augmenté. Pas mal. What? Sam! Who's this? I'm Riku. Sam and I were on our way to the portal. Come with us. Where are we headed? The portal. But we need a solar sailor. There's one in the underground docks. Donc là, il y a un flashback qui se nomme le disque volé. On va y accéder tout de suite. Your disc. Dad. It's gone. It is. She's stable. We have to go back. Clue will use it to reach the outside world. I can stop him from destroying it if you just let me do this! You've done enough already! So what do we do now? I don't know. Nothing. We do nothing. Be still. Wait. We can hop a solar sailor. A full-on sprint to the portal. We can beat Clue there. Let's get her out of here. Donc ça c'était juste avant je pense, quand on rencontre justement Sam, Clint et puis une jeune femme là. Ouais. Enfin vous savez qui c'est parce qu'on a joué avec le scénario de Terra, elle s'appelle Cora déjà. Alors... déflagration, toujours utile. Qu'est-ce que tu veux? Ah mais lui il se protège, on va attendre.
escargot. Donc on doit aller où? J'ai bien compris, on doit aller... D'accord, on doit aller par ici. Je sais qu'il y a un coffre en dessous. En effet, je viens d'en avoir un. Et on a quoi? Confetti, il me semble. Alors, on doit aller au... Enfin, là, on est dans le quai, mais on est au sommet. On va redescendre. Là, il y aura plus d'altération à durer à la ferme, mais vous verrez pourquoi. Pas forcément sur des ennemis, hein, ça peut être sur d'autres choses. Niveau 11. Allez. Donc j'ai gagné des points de fusion. Quand ça marque fusion plus, c'est que j'en ai... C'est que j'ai gagné des points de fusion. Allez, fais goûter dans ta gueule. Et stop courant. Bon, on va faire le temps de son duel sur la machine, là. Vite fait. Bon, je pense à une autodestruct ou bien target switch. Ouais. Donc, c'est pas très compliqué pour ceux qui savent pas l'anglais. C'est-à-dire, change de cible. Target cible et switch, changer. Mais bon, c'est des mots assez courants qu'on rencontre, alors c'est pas très compliqué à savoir ça. Surtout que moi j'ai pas forcément un niveau d'anglais très professionnel, on va dire. Juste des bases, on va dire. Connaissance école. Et internet. Et jeux vidéo. Comme quoi, ça sert pas à rien les jeux vidéo. Hein. On va prendre un peu l'anglais ou bien d'autres trucs. Donc là, on va la détruire. Hein, vu qu'elle nous sert un peu plus à rien. Faut juste que j'attende le auto rouge, parce que là j'ai des autres couleurs, switch, auto, voilà, auto-destruct. Alors, il y a un coffre en haut je crois, ouais. Il y en a même un tout debout il me semble. Alors rassurez-vous, je connais pas l'emplacement de tous les coffres par cœur, mais le plus visible. Par contre on pourra pas passer par cette porte, vous verrez pourquoi après. Aura de riposte, faut tout de suite que je le mette. C'est aussi un contre, comme pour Sora, mais c'est différent. Alors, modifier le JDC. Déjà, on va ajouter une commande à notre JDC parce qu'il est accru. On va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, moi, j'ai foot plus, ballon... Pourquoi pas ballon, en fait, ouais. On va mettre ballon. Ensuite, on va modifier la commande d'action et on va rajouter notre... aura de riposte dans une parade, ok, d'accord. Puis c'est tout. Donc voilà. On recule, on rebrouche chemin. Alors on va rebondir sur la vitre, si on peut. Ah oui, on peut. Les ennemis. Et une machine. Justement pour ça je vous ai dit qu'on allait faire souvent l'altération du réel. Et surtout pour ces machines là, comme on a vu dans le voyage solaire avec Sora. Enfin, c'est d'ailleurs là où on se rend avec Riku maintenant, mais on prend un autre chemin en fait. Vous pouvez le voir, ça nous a donné accès à une salle, on voit un coffre, on va le prendre tout de suite. Et il y a une espèce de levier. On fait l'altération du réel dessus. C'est pour en fait unlock, comme ils disent. Voilà, unlock, c'est pour débloquer toutes les portes qui sont bloquées, qui sont rouges en fait. En fait, j'aurais pu très bien reprendre le coffre après. Vous voyez que la porte se débloque. Ça menait ici où il y avait le gros coffre. J'aurais pu y aller après, mais j'ai décidé d'y aller tout de suite. Hein. Tout pratique. Donc, nous, on va emprunter cette porte ici. Et on va prendre l'ascenseur, il me semble. Ouais, l'ascenseur. Qui va descendre. Justement pour accéder à encore plus bas et demain on sera vers le quai.
Ouais, il n'y a pas encore d'ennemis, mais vous verrez qu'il y aura plein de machines, là. Vous voyez bien, sur la vitre. Ce qu'on va faire, en fait, c'est faire l'interaction du rail dessus pour exploser les vitres. Je vais le faire tout de suite. Petite altération du réel, auto-destruct. Vous voyez que la vitre s'est explosée, enfin un petit peu, elle est fissurée pour l'instant. Mais au bout d'un moment, elle sera complètement HS, vu qu'on va la détruire. Mais pour ça, faudra détruire les autres machines qu'il y a sur le truc. Je crois qu'il faut en détruire au moins deux, donc on va détruire celle-ci. Si elle me laisse la toucher. Voilà, enfin réussi. Auto-destruct. C'est bon, la vitre est brisée, on peut descendre jusqu'au quai. Et qu'est-ce qui nous attend? Des jumetteurs. Il crevait. Donc là je pense que c'est là où on va utiliser des réveils parce que la jauge a augmenté, ça doit juste se recouvrir de noir, puis après c'est bon. Donc je vais peut-être pas utiliser tous mes réveils, faut voir de combien ça diminue la jauge. Je l'ai jamais vraiment utilisé, je m'en foutais un petit peu en fait. Mais là c'est plus agréable, comme ça on gagne du temps quoi. Un petit start. Jeu de commande, on met vite à la place de ballon. Alors réveil, on va utiliser réveil, on peut en mettre que deux par à la fois, mais on va voir ça. Alors, réveil. Ah carrément! Ah d'accord. Ça a revenu juste au début. Ah, je pensais pas que c'était aussi efficace. Je pensais que c'était juste un tout petit peu, mais ouais, bon, c'est pas mal, hein. Alors on va vite remettre le ballon X, enfin le ballon parce qu'on n'a pas encore de ballon X ni de ballon plus. Puis on va se diriger vers le voilier, mais d'abord faut prendre les coffres qu'il y a autour. Je sais qu'il y en a un pas loin, autour normalement. Bon bah c'est pas grave, au pire il y a le point de sauvegarde ici, on va vite sauvegarder. Donc le voilier il est en face de moi, mais... Je vais le prendre après, d'abord je vais récupérer peut-être les coffres, c'est mieux. Alors les coffres, il y en a un ici, là-bas, tu vois. Il y en a un là-bas, je crois. Vous pouvez voir un petit peu au loin, si vous voyez peut-être bien ou pas, là ouais, vous voyez bien. D'ailleurs, il y a des jumetteurs qui le gardent. Mais bon. On va dire qu'ils sont faibles. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas forcément très puissants. Hein. Non mais tu vas pas me faire aller là-dedans. C'est qui m'a frappé là? D'accord. Il va bientôt mourir lui. Voilà. Sinon il y en a encore un ici, voilà, c'est ce que je cherchais en faisant le tour, mais j'avais pas trouvé. Il y en a encore un là. Non, ça c'est le point de sauvegarde. Donc même si on a un corps, je m'en fous, ça ira pour le moment. Allez, on y va. Monter à bord du voilier, ok. You gonna make it? I don't know. But didn't you write her code? Some of it. But the rest is just beyond me. She's an ISO. ISO? A whole new life form. Cora is the last ISO. And you created them? They manifested, like a flame. They weren't really, really from anywhere.
The conditions were right, and they came into being. For centuries, we've dreamed of a pure existence beyond our own. I found them in here, like flowers in a wasteland. They were spectacular. Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing. The ISOs, they were going to be my gift to the world. There. Good as new. It's gonna take a while for our system to reboot. So what happened to your gift? Clue happened. He was built to create the perfect system, but endless potential can never, ever be fully realized. Clue saw the ISOs as an imperfection, so he destroyed them. He screwed up. No. He's me. I screwed it up. Chasing after perfection. Chasing after what was right in front of me. Right in front of me. Look too hard for one thing, and you miss everything else. And then, the people around you get hurt in the process. Like Xehanort, his single-minded thirst for answers created Ansem. We all have a little of that curiosity in us. So if we're not careful, any one of us could create an Ansem. Great! They found us! We've been put on a new course. Quora! No, wait! She's removing herself from the equation. We can't just let her go. Yeah. No. Hold on, Sam. What about getting you to the portal? You shut them down from the outside. But Quora comes first. And we still have to get back your disc. Sam, if you chase two rabbits, you won't catch either. If this is a father-son thing, I won't butt in. But we should probably get back that disc at least, before Clue uses it to destroy the outside world. Come on, Sam. Right. Meet me on the flight deck, and get us some wheels. Wheels? What's your plan? I'm a user. I'll improvise. Riku, I gotta save Quora too. I know. We will. The dish should be somewhere on the throne ship. I saw it dock here earlier. Over there. All right. On doit aller récupérer Quora, la sauver, puis comme vous avez pu le voir dans la cinématique, c'est une ISO en fait. Purée. On fait pas honnête par les bombes. Puis on doit aussi on doit aussi récupérer le disque de Flynn. Allez, vilain pavo, tu vas pas résister longtemps avec le ballon. Il est où l'autre? Ouais, un coffre à récupérer par là-bas. Juste derrière nous. On va s'occuper d'abord de son cas. Apparemment, il est mort. Juste prendre le coffre. Alors, on y va. Pas perdre de temps. Pas se faire buter non plus.
Très con quand même. Allez, petite fluidité. 8 et 11, pas mal. Allez, l'escargot, je ne peux pas durer longtemps. Pas non plus. Alors, il est où l'oiseau là? Juste après avoir éliminé cet escargot, faut que je le bute aussi. Il est là, déflagration. Niveau 12! Comme de nous affronter en fait. Coffre ici. Non, c'est pas lui que je visais, c'est lui. Wow! Mince! Moi je laisse se battre hein. Faut juste que je récupère de la vie, puis après je vais vous aider les gars. Ils vont mourir. Ma grenouille est morte, je te pardonnerai jamais. Tu entends jamais. D'ailleurs faudrait que je la récupère, sinon après elle va mourir. Et d'abord. Combat. Allez, plus que toi. Il faut que je me dépêche. J'ai vraiment pas envie qu'elle meure. Lys, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Voilà. Te voilà ressuscité. Il a quand même osé toucher à ma grenouille. C'est les cuistots. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Faut pas débloquer ça. Non, on va passer la porte alors. Infiltrons le vaisseau mère, mais d'abord le coffre, puis ensuite bon, on y va direct hein. Pas se compliquer la vie. Allez. Par ici. Et par là-bas. Il n'y aura pas le point de sauvegarde. Génial, il y en a deux là. Un petit soin avant qu'ils reviennent. En fait, ils sont carrément 3. Enfin, à moi, hein, là. Wow. Aïe, 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 aïe. Faut que je me casse d'ici, franchement. Toi, tu en as un corps, c'est pas mieux. Toi, je serai encerclé. Ça a bien fait pour ma gueule. Je me fais tirer dessus par une machine et je me fais buter par des soldats là. Souffle de clous. Y a-t-il un point de sauvegarde? Ici. A priori, on va peut-être affronter le boss. On va voir ça tout de suite, hein. Il y aura sûrement une cinématique. Vu qu'on va infiltrer ce vaisseau. Enfin, on va prendre l'ascenseur pour infiltrer le vaisseau, comme avec ça. Pas cinématique, mais on doit quand même y aller. Alors... Je crois pas qu'il y ait de coffre ici. Allez, faut vraiment que je fasse gaffe. Allons. Comment je fasse gaffe parce que j'ai presque plus de vie là. Bon, ça va mais...
Aïe aïe aïe. Là, il reste quand même deux, hein. Mince. Mon soin est annulé. Oh, les sadiques. Oh, je me casse. Rien à foutre. On les fera pas travers, tranquille. Alors, maintenant que mon soin est pas revenu, t'inquiète pas, moi, je reste ici. Bientôt. Surtout ces bombes qui sont chiantes, en fait. Sinon, on peut parer, mais... Allez, toi, tu vas mourir bientôt. T'es mort. Toi aussi. Wow. Voilà, enfin. On va juste attendre le soin, parce qu'au cas où, peut-être qu'on va pas se soigner pour le boss, s'il y a vraiment le boss. On y va. On aura sûrement une cinématique. Riku's here to help. Donc normalement au bout de d'ici il y aura le boss. On va bien voir ça. Là nous affronter les gars, franchement. Un coffre ici. Je le prends. Et on y va. This is mine. Had a feeling you'd be here. You! You promised that we would change the world, together. You broke your promise. I took the system to its maximum potential. And now, you see the applications at my disposal. I don't believe it. You can leave this one to me. Allez, c'est Comantis, le même boss qu'on a vu pour les motos. Pas pour reposer les motos là. Personnellement, j'ai trouvé un petit peu chiant quand même comme boss, hein. Après, c'est peut-être mon avis, mais... Mais bon. N'empêche que je l'ai pas trop aimé. Allez, petit sommeil arrière, là.
On a un ballon. Yes, il est à terre là déjà, on peut bien le frapper. Ouais, faut pas toucher quand il fait le tour. Ni quand il fait certaines attaques. Comme celle-ci, faut parer, mais j'arrive pas à défendre. Allez. Petite fluidité. Ah non, faut justement pas que je touche. C'est bon. Allez, altération du réel. Vite fait. Qu'est-ce qu'on a à faire là? En énergie. J'arrive pas à lire là. Qu'est-ce que ça va faire? Energy Jammer. Alors je sais plus ce que ça fait déjà. Je crois qu'il est neutralisé puis qu'on peut le frapper pour l'instant. Je suis pas sûr. Non, on peut. Pas vraiment. C'est juste qu'il fait pas certaines attaques, je sais pas. Faut voir. Allez, plus de 2 barres de vie environ. Tu mourras pas. Pourquoi je le trouve chiant perso hein. Un petit ballon. Accord altération du réel. Alors, nouveau Energy Jammer, je crois. Ça doit faire quoi maintenant? Mince, j'ai fait une fusion. Ça fait pas très mal en fait. Wow, wow, wow. Faut mourir maintenant. Mais hein. Bon, il fait souvent cette attaque. C'est ça qui est chiant. Wow. Les gars, aidez-moi un petit peu, je sais pas. Faites un truc. Pour l'instant, j'en charge. Allez, il reste une petite barre de vie de rien du tout. Bon, quand même, pas de rien du tout. Mais même, il reste pas grand chose, faudrait pas mourir maintenant, s'il vous plaît. Ça met rien. Ballon. Altération du réel, vite fait. Jam, énergie, bon c'est la même chose de toute façon. Bon on s'en fout hein. Voilà on l'a battu. Donc on a nos HP maximum augmenté comme d'habitude hein. Donc voilà. Vous êtes sur cinématique. I created the perfect system. The thing about perfection is that it's unknowable. It's impossible. But it's also right in front of us all the time. You wouldn't know that because I didn't when I created you. I'm sorry, Clue. I'm sorry. Ugh!
go! Clue! Remember what you came for! No. No. Why? He's my son. Go! Dad! Sam! It's time! No! Sam, it's what he wants. I'm not leaving you! Take her! Yes! Goodbye, kiddo. Don't even think about it. Portal is gone. These gates that connect worlds, maybe when we pass through them, we're challenged and changed. And it's not over. There are more trials ahead we have to overcome. But we'll be ready, Sora. Merci Nouvelle Keyblade comme pour Sora, double disque, qui augmente donc la force et la chance d'asséner des coups critiques. Et peut-être qu'il y a une cinématique juste après, on va juste voir. Where are they? I've turned this castle upside down. Hey, are the other two still out cold? Dylan and Evan are conscious again. But still unstable. They're resting inside. Gotcha. Well, I guess I'll give the castle grounds a sweep. Don't. If they were back, we would have found them by now. Hmm. So do you think they were blasted off to some other world or what? I highly doubt it. When someone who's lost their heart is recompleted, they should return to the place where it happened. And if that world is unavailable for whatever reason, a refuge is made for them in the realm between, a world called Traverse Town. They would be sent there. Or perhaps... No, look. Okay. The fact is, we're here. We've been recompleted, right? So they should be here too. Plain and simple. I agree, it is strange. What a drag. Could they not have been recompleted at all? Well, you see... Forget it. You know what? I'll bring him back myself. Huh? How, exactly? Well...
Why do I always get stuck with the icky jobs? Donc on a terminé le monde avec Riku et Sora, donc le monde de Tron. Donc le prochain, je pense, ce sera le pays des garnements avec Pinocchio et toute la bande. Donc là, on vient de voir une cinématique avec Léa et tout le reste. Enfin, Lee, pas Léa, si je raconte. Lee, pas Léa. Et puis, vous pouvez voir, le dernier écran que vous avez vu, c'était un espèce de tableau, c'était marqué DTD. En fait, c'est... Si vous vous rappelez bien, dans Kingdom Hearts 2, c'est le mot de passe qu'on a dû entrer avec Tron dans son monde pour avoir un accès à certaines données. Enfin bref, regardez plutôt mon walkthrough sur Kingdom Hearts 2, ou bien si vous avez déjà vu d'autres vidéos dessus, ou si vous avez déjà joué, vous vous souviendrez quoi. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter ici. Juste avant de se quitter, juste dire... si on les retrouve pas ici, par exemple Xemnas et... Enfin, pas que c'est menace. Xehanort et Break, c'est qu'il y a vraiment une raison, on verra ça après dans le jeu. Enfin, ici, au Jardin Radieux, comme les autres. Donc bref, on va se quitter ici. Merci d'avoir suivi la vidéo. Aimez-la, partagez-la, comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour la 7ème partie du Let's Play de Kingdom Hearts Distance.